Bonjour et bienvenue sur Besoin d'aventure, un blog qui vous donne des idées d'itinéraire et des conseils techniques pour partir à l'aventure. Aujourd'hui et pour les 3 prochains jours, je vous emmène avec moi faire le tour des ballons d'Alsace et plus précisément le tour du grand ballon et du petit ballon. Alors cet itinéraire démarre dans la petite ville de Guebwiller, située à environ à 300 mètres d'altitude. L'itinéraire fait 55 km et avec 2200 mètres de dénivelé positif et 2200 mètres de dénivelé négatif, puisque c'est un itinéraire en boucle, donc un départ de Guebwiller et un retour au même endroit à Guebwiller. Alors là, je démarre mon ascension vers le Grand Ballon qui culmine à 1424 mètres. Donc là aujourd'hui j'ai une bonne montée d'environ 1100 mètres de dénivelé positif. Et ensuite l'itinéraire suit les crêtes en fait. Donc jusqu'à la station, la petite station de ski qui s'appelle Le Markstein, si je prononce bien le mot, c'est pas sûr. Donc elle suit la crête, je dormirai sur la crête entre le Grand Ballon et cette station, le Markstein. Demain, on continuera sur les crêtes, donc vers le nord, puis nord-est, puis est, pour atteindre le petit ballon. Je dormirai vraisemblablement près du petit ballon, peut-être avant, peut-être après. Je me suis rien imposé, je sais que j'ai 3 jours pour faire ça. Donc on verra à peu près où j'en serai à ce moment-là. Et puis le troisième jour, on finit les crêtes. En direction de l'est, sud-est. Et puis on a pour finir une belle descente assez longue sur Guebwiller, en sachant que le petit ballon culmine à 1272 mètres, si je ne me trompe pas. Donc on redescend à 300 mètres à Guebwiller. Donc encore environ 900 mètres de dénivelé négatif à descendre. Voilà, et ben. Je vais vous filmer un petit peu cette petite randonnée de 3 jours qui est vraiment accessible à pas mal de personnes. Il faut juste être un tout petit peu sportif, il y a un petit peu de dénivelé au début. Après, le chemin en crête est plutôt assez simple, pas trop de dénivelé. Et je vous montrerai tout ça en images. Allez, c'est parti! Alors, en termes de distance et de découpage de cet itinéraire de 3 jours, je vous ai dit que l'itinéraire faisait 55 km. En fait, en réalité, pour moi, il va en faire plutôt 60, puisque je suis parti du camping de Guebwiller et je vais y revenir. Donc 60 km sur 3 jours, ça nous fait 20 km par jour, ce qui peut paraître assez facile, assez simple, mais il ne faut pas oublier de rajouter là-dessus la difficulté des dénivelés positifs et négatifs. Donc si on voulait faire un équivalent de kilométrage, comme si on marchait sur un terrain plat, on serait plutôt à environ 86-87 km, ce qui nous fait l'équivalent de 29 km par jour. Donc cette randonnée se fait bien sur 3 jours. On peut toujours la faire sur 4 jours si on veut vraiment faire des toutes petites journées. Et pour les vraiment les plus sportifs, il est possible de la faire sur 2 jours. Mais là, il faut quand même être entraîné parce que ça vous fait un équivalent de 43 km sur du plat par jour. Ce qui n'est pas rien. Si vous n'êtes pas entraîné à l'avance, au bout de la première journée, vous serez mort et le lendemain, vous n'arriverez pas à marcher. Donc voilà, 3 jours pour un randonneur moyen, sportif, correctement sportif. Ça me semble pas mal. En tout cas, je vous dirai ça, je vous donnerai mon ressenti à la fin de ces 3 jours. «
Alors j'ai pris la météo hier soir, évidemment, pour voir qu'est-ce qui m'attend pendant ces 3 jours. C'est un temps un peu mitigé. Il a fait beau et chaud ces derniers jours. Et aujourd'hui, il prévoyait de l'orage pour entre 11h et 14h en milieu de journée. Finalement, l'orage est arrivé plus tôt que prévu. Il a grondé dès ce matin, entre 8h et 10h. Il y a eu un peu de pluie, une belle averse. Et puis ça s'est calmé, c'est revenu un peu au bleu. Mais on sent que c'est instable, parce que ce matin, l'orage a grondé, mais pas très fort. Il n'a pas plu très fort non plus. Donc ça ne s'est pas déchargé beaucoup. Et malgré le ciel bleu qui est revenu après, plus ça va et plus on sent qu'il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de nuages qui bourgeonnent, et puis du tonnerre à nouveau là qui résonne. Donc va falloir faire un petit peu attention à tout ça, garder un œil sur le ciel. Et ça m'étonnerait pas que je me prenne un bel orage comme annoncé en milieu de journée. Parce que là il est 13h30. Là je suis à 600 mètres d'altitude. Je sais qu'il y a un abri, un refuge-abri. Enfin pas un refuge, je pense que c'est juste un abri. Il est marqué sur la carte. Il se trouve à l'altitude à peu près 900 mètres. Donc j'ai encore 300 mètres à monter. Si je marche vite et que je me dépêche, je sais que je peux l'atteindre en une demi-heure. Parce que je sais que je peux monter à 600 mètres à l'heure quand je marche bien, assez vite. Donc voilà, j'ai cette option là. C'est important de, quand le temps est un peu mauvais ou un peu instable, de savoir où est-ce qu'on peut aller s'abriter, s'il y a un abri évidemment. S'il n'y a pas d'abri, la question elle est réglée, mais s'il y a des abris dans la région, autant s'en servir. Autant savoir où ils sont et autant savoir à quel moment on peut les atteindre. Donc bon, au pire je me prends une grosse averse sur la tronche, hein. C'est pas rien grave. Je suis pas sur les crêtes, je suis pas sur les sommets. Donc au niveau de l'orage, il n'y a pas un risque énorme. Mais voilà, j'ai ce petit abri en tête et je sais que il peut me servir si vraiment les conditions se dégradent trop fortement. Donc voilà, je retrouve enfin des beaux petits sentiers après les pistes forestières, les petits singles comme on appelle en VTT. Et là on est à l'altitude 670 mètres. Et les nuages continuent de voiler le ciel bleu. Bon ça y est, il se met à pleuvoir fort d'un coup. Et j'ai encore au moins 20 minutes pour rejoindre l'abri. Donc là, je vais me prendre l'averse. Donc je vais rentrer tout le matériel photo vidéo. Bon, finalement, je me suis juste pris une bonne grosse averse. L'orage est passé un peu plus loin, j'entends encore tonner un peu. Je suis arrivé à l'abri de Jules Denure. Donc, je fais un petit peu sécher tout ça. Je vais manger un petit peu. Et je vous fais voir un petit peu l'intérieur de cet abri. Qui est très spartiate, hein, comme beaucoup d'abris. Il y a une cheminée. Et puis, si besoin, il y a quand même moyen de passer la nuit, parce que là, il y a des grands bancs. Je ne sais pas si on voit bien. C'est un peu sombre. Mais il y a des grands bancs côte-côte, là, sur lesquels une personne peut dormir. Il faut faire un peu de nettoyage, hein, mais ça fait une petite solution de secours en cas de mauvais temps. Alors, j'en profite pour vous montrer ce que j'ai pris à manger pour ces 3 jours de randonnée. En sachant que le premier jour, j'ai pris mon petit-déj avant le départ. Et puis le troisième jour, je mangerai le soir en arrivant. Donc pour le midi, j'ai pris un paquet de Vaza pour les 3 midis, 300 g de saucisson,
une boîte de kiri. Pour les encas, dans la journée, j'ai pris des abricots secs, des amandes et puis des barres céréales, j'en ai pris 6. Pour le soir, j'ai pris 2 paquets de nouilles chinoises, j'ai fait vraiment très simple. Et pour le matin, j'ai fait aussi très simple, j'ai pris 2 petits paquets de gâteaux et puis 4 sachets de thé pour le soir et le matin. Donc ça représente 1,7 kg de nourriture. Je pense que je suis à peu près à 2800 kilocalories par jour, ce qui n'est pas énorme. Mais ça devrait suffire. En tout cas, je ne vais pas mourir de faim avec ça. Il va falloir que je fasse juste un petit peu attention. Et ce qui est clair, c'est que à la fin des 3 jours, il ne restera plus rien. Voilà, ça va le faire avec tout ça. Malheureusement bien marqué par la main de l'homme, mais avec une vue imprenable sur toute la région et tout le massif. Je vous fais un petit tour rapide. Ça souffle là-haut. Et redescente sur le col de Hag qui se trouve en contrebas. Marcher encore un petit peu, assez près d'un abri. Je vais voir si je continue un peu plus loin en fonction du feeling. Voilà la marque du GR5 en l'occurrence. C'est pas la même dans les Vosges que dans le reste de la France. Dans le massif des Vosges, ils ont fait des carrés blancs ou carrés rouges dans un carré blanc. C'est un peu particulier, il faut juste le savoir. Mais c'est l'équivalent du trait rouge et du trait blanc. Alors pour info, vous avez une source juste en dessous, après le Grand Ballon. Entre le Grand Ballon et le col de Hag, à 1325 mètres d'altitude, il y a un petit panneau qui l'indique sur la droite du chemin. Et ça vous permet de vous ravitailler en eau pour la soirée, si vous comptez vous arrêter bientôt quelque part, mettre votre tente, ou dans l'abri qui est un petit peu plus loin, à peut-être 1 heure de route, 1 heure de marche maximum d'ici. Alors là les amis, je me suis trouvé un petit endroit parfait pour bivouaquer, juste un petit peu après le col de Hag, près du sommet du Storkenkopf. Et là la vue est carrément grandiose, quasiment à 360 degrés. Donc là c'est pas mal du tout. Je pense que le risque orageux est passé, là c'est en train de se dégager de plus en plus, un peu de partout. Parce que là je suis sur une hauteur, donc en cas d'orage c'est pas terrible, mais je pense que ça devrait le faire. De toute façon il fait nuit tard, si je vois que ça retourne à l'orage, je peux toujours redescendre à la cabane en dessous. Je suis peut-être à quoi, 20 minutes de marche à mon avis. Voilà, une belle soirée, un beau coucher de soleil en perspective. On n'est pas bien là? On voit un petit coucher de soleil. Là, c'est vraiment des moments top. Deuxième jour, je marche depuis 1 heure et demie. Je suis passé par la station du Markstein. C'est un col en fait, hein, avec une route, la route des crêtes qu'on peut faire en voiture. C'est mieux de la faire à pied. Donc là, je me dirige sur la partie nord, dans la direction du nord-est, vers le petit ballon. Et il a plu un peu ce matin, là, ça reste nuageux. Il fait bon, il fait pas trop chaud, c'est agréable. Vous entendez les vaches.
pas si on la voit. Vous n'avez pas dû la voir à la caméra. En plus, c'est tout sombre. Il y a une biche qui est passée devant moi. Là. Super. Magnifique. Je viens d'arriver au sommet du Kleinkopf, si je le prononce bien encore une fois, à 1330 mètres, avec un panorama plutôt exceptionnel. Le plus beau panorama que j'ai eu, en tout cas depuis le début. Et sûrement le plus beau jusqu'à la fin, parce que 1330 mètres, c'est un des sommets les plus hauts. Et c'est plus sauvage que le grand ballon qu'on voit en face, là-bas. Très très beau. Sauvage. Par contre, ce sommet est fermé du 1er décembre au 30 juin. C'est une réserve pour la faune, la flore. Donc il faut y aller plutôt en juillet, août, septembre, octobre, novembre. Quoi. Je viens d'atteindre le col de l'Ocean sur lequel il y a un petit abri que voici qui peut dépanner en cas de mauvais temps. Mais vraiment, c'est du dépannage. Il est vraiment très très spartiate. Donc là, on est à un peu plus de la moitié du parcours. Milieu de journée du jour 2, en direction du petit ballon toujours, sur des crêtes vraiment super belles et sauvages, plus sauvages que les crêtes du grand ballon. On aperçoit d'ailleurs le petit ballon là en plein milieu de l'écran, la grande bosse vert clair. Et tout en bas, le village de Gebwiller, dont je suis parti et où je vais revenir demain. On est passé côté nord de la crête du petit ballon, avec des belles vues dégagées hein, sur un panorama qu'on n'avait pas tout à l'heure. Ça y est, arrivé en haut du petit ballon, avec un peu de vent, une belle vue bien dégagée à 360 degrés. Donc là, il n'y a plus qu'à redescendre par les crêtes. Là, je vais redescendre encore un petit peu aujourd'hui pour trouver un endroit pour dormir. Pas très très loin d'ici, je pense. Et puis demain, il n'y a plus qu'à descendre sur Gebwiller qui se trouve à peu près dans mon dos. Fin de l'étape 2, je me suis trouvé un petit coin bien tranquille, un peu à l'abri du vent, à l'abri de l'orage aussi parce que la tendance est un peu orageuse. Je suis un peu dans un creux là au-dessus d'un dôme, en dessous le petit ballon, là je suis redescendu un petit peu. J'ai les vaches derrière moi. Voilà, j'ai pas la même vue que hier soir. C'est un petit peu plus boisé. Mais ça va être pas mal je pense. De passer la nuit là. Allez, à demain. Troisième et dernier jour de cette rando. Je descends maintenant progressivement des crêtes par la forêt pour rejoindre la ville de Gebwiller en début d'après-midi, je pense. Et la fin de l'étape est un itinéraire en balcon au-dessus des vignes et de la vallée de Gebwiller avant de redescendre au dernier moment sur la ville. On retrouve malheureusement un petit peu de bruit de la circulation de la vallée, mais on passe encore un petit peu parfois en forêt, ce qui atténue ce petit inconvénient. Donc encore une heure et demie de marche avant l'arrivée. Dernière descente dans les vignes vers la ville pour finir ce beau tour de 3 jours sur les crêtes des Vosges en passant par le grand ballon et le petit ballon. Voilà, cette belle traversée des Vosges touche à sa fin.
Alors, c'est une traversée vraiment sympa, essentiellement par les crêtes, avec un peu de forêt dans les passages un peu plus bas en altitude. Alors, certes, ce n'est pas les paysages des Alpes ou des Pyrénées, mais si vous souhaitez découvrir les Vosges, c'est vraiment une belle randonnée de 3 jours qui peut se faire éventuellement sur 2 jours pour des personnes très sportives, éventuellement sur 4 jours pour des personnes très peu sportives, mais 3 jours étant plutôt la moyenne. Alors pour faire cette randonnée, au niveau carte, vous avez soit la solution de prendre la carte du club vosgien au 1/50 millième. Alors pourquoi je parle de celle-là et pourquoi je ne parle pas des cartes IGN top 25? Eh bien tout simplement parce que pour faire l'itinéraire de 3 jours, la boucle, il y a une carte IGN qui couvre quasiment l'ensemble du parcours. Et par contre, la partie nord au niveau du petit ballon n'est pas représentée sur cette carte. Et vous devrez acheter la carte qui se trouve juste au-dessus, juste pour un tout petit passage. Ce qui n'est pas très pratique et qui vous coûte cher. Ça coûte cher d'acheter une carte juste pour, on va dire, 1 heure ou 2 de randonnée. Donc pour ça, je vous propose, on va dire, 3 solutions. La première, c'est donc la carte du club vosgien qui couvre l'ensemble de l'itinéraire. L'inconvénient de cette carte, c'est que c'est une carte au 1/50 millième, donc pas très précise pour randonner, en sachant que dans les Vosges, il y a vraiment beaucoup de chemins, de forêts, de chemins forestiers, etc. Donc moi, j'ai randonné avec celle-là. Je la conseille à ceux qui savent vraiment bien s'orienter avec une carte, parce que c'est pas forcément évident. Certains chemins n'y sont pas, ou en tout cas, les détails sont parfois petits. Si vous savez bien vous orienter, bien lire une carte, cette carte est suffisante. Si vous préférez avoir plus de précision, à ce moment-là, je vous conseille de prendre une carte IGN. Et pour éviter d'avoir à acheter 2 cartes, vous pouvez aller sur le site internet d'IGN et faire ce qu'on appelle la carte à la carte. C'est-à-dire que vous allez choisir la zone exacte qui vous intéresse. Et donc sur une seule carte, vous allez pouvoir avoir l'ensemble de l'itinéraire. Ces cartes à la carte coûtent un petit peu plus cher, mais ça vous coûtera quand même moins cher que d'acheter 2 cartes top 25 classiques. Troisième solution, vous achetez la carte top 25 classique qui couvre quasiment l'entièreté de l'itinéraire. Et puis vous allez ensuite, par exemple, sur le portail IGN et vous faites une impression de carte juste pour la partie qui vous intéresse. Ou avec le site internet JGN Super Héros. Je vous laisse découvrir, je ferai peut-être un tuto là-dessus un peu plus tard, mais c'est un site internet qui vous permet d'imprimer des cartes à l'échelle, etc. Pour ce petit bout de carte qui vous manquerait. Alors sinon, pour faire un petit bilan de ma randonnée, au niveau nourriture et eau, donc je vous ai dit au début de la vidéo ce que j'avais emporté, je vous ai montré, donc là ça a été parfait, j'ai fini mes dernières vivres juste dans la descente avant de revenir sur Guebwiller. Sur 3 jours, là j'étais donc en moyenne à 2800 kcal par jour. C'était suffisant, j'avais pas de trop. Si je partais sur plusieurs jours, je pense que je prendrais un petit peu plus, je serais plutôt à 3000 kcal par jour, parce que je pense qu'au fur et à mesure de l'effort, je commencerai à avoir un petit peu plus faim. Et en termes d'eau, bah, il y a pas mal de. On n'est jamais très loin d'un refuge ou d'un gîte d'étape. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Il faut les repérer après sur la carte. Vous avez une source, comme je vous l'ai montré, dans la descente après le grand ballon. Après, sur les crêtes, il n'y a pas beaucoup de sources, pas beaucoup de points d'eau, de rivières, de ruisseaux. Donc faut essayer de demander, voilà, aux fermes auberges ou au gîte d'étape. Alors je vais vous montrer maintenant le parcours sur la carte de manière assez rapide et vous montrer un peu les étapes que j'ai faites et que je vous conseille. Alors voici l'ensemble de l'itinéraire en jaune fluo. Donc départ de la petite ville de Guebwiller. On monte ici jusqu'au Grand Ballon avec pas mal de forêts au départ. Le Grand Ballon est ici. Après on descend un petit peu sur la ferme du Hague. Et l'itinéraire que j'avais choisi, c'était plutôt celui-là. Là, c'était un bout du GR5. Et en fait, moi, je vous conseille de prendre un petit chemin qui est marqué un petit peu ici sur la carte, qu'on verrait mieux, hein, sur une carte IGN. Et en haut, là, au niveau du Storkenkopf, vous avez un endroit de bivouac assez exceptionnel avec une vue magnifique.
un peu d'alpage, de l'herbe. C'est vraiment top, moi j'y ai dormi là. Si vous bivouaquez, je vous conseille ça. Sinon, vous avez la ferme auberge, le Hague, pour un hébergement classique. Donc ensuite, on suit la crête. Donc c'est assez dégagé. On suit un petit peu la route sur cette portion-là, mais il n'y a pas trop de passages. On arrive au Markstein, qui est une petite station de ski qu'on traverse assez rapidement. On peut s'alimenter en eau, évidemment, ici. Il doit y avoir il y a un ou deux petits restaurants, bars, snacks. Et puis ensuite, on continue donc sur la crête côté nord. Et on peut passer par le Kleinskopf, qui est ouvert que sur les mois d'été, hein, à partir du 1er juillet, parce que c'est une réserve. Vous avez ici une petite cabane ouverte gratuite qui est vraiment très sommaire en cas d'orage. Et puis vous continuez sur le col, sur la crête, pour arriver ici au petit ballon. Au petit ballon, il y a des zones pour bivouaquer, soit en haut s'il n'y a pas de vent, soit un peu plus bas. Et vous avez ferme auberge. Et puis vous avez ici un petit gîte là qui s'appelle les Amis de la Nature de Gebwiller. C'est un truc associatif qui est ouvert uniquement le week-end, mais toute l'année. Donc vaut mieux appeler avant pour réserver. Qui est vraiment sympa, un petit peu plus haut que la ferme auberge là, qui est moins intéressante à mon sens. Alors moi j'ai pas dormi au petit ballon parce que il y avait des risques d'orage et beaucoup de vent. Donc je suis redescendu un petit peu et j'ai trouvé un endroit sympa pour une tente au bout de cette petite bosse là qu'on aperçoit un petit peu au-dessus de la ferme auberge là, de Steffenberg. Et ensuite j'ai fini donc le troisième jour. Hein. Retour par les crêtes en descendant légèrement, avec cette fois-ci pas mal de forêt pour revenir sur Gebwiller. Bref, si vous souhaitez découvrir les Vosges en itinérance sur un parcours de 3 jours, je vous conseille vivement cet itinéraire donc du grand ballon et du petit ballon. Mais si vous ne savez pas encore quelle aventure choisir, si vous ne savez pas si vous êtes capable de la réaliser, si vous ne savez pas si elle vous plaira, je vous conseille de télécharger mon guide avec le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour vous aider à choisir votre prochaine aventure de manière facile et efficace. Dans ce guide, je vous permets de vous poser les bonnes questions pour choisir quelque chose qui vous correspond. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour me montrer votre intérêt. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air pour m'aider à faire connaître la chaîne Besoin d'Aventure. Je vous souhaite de belles aventures. Ciao!